Hey, yo tout le monde, c'est Kero, comment allez-vous les amis? Bah moi écoutez, ça va super bien, je vous retrouve sur le jeu Hitman pour la suite du Let's Play et l'avant-dernière vidéo, l'avant-dernière mission de ce Let's Play est dans le DLC Patient Zero, voilà, où il y a 2 jours, et ben on avait terminé cette deuxième mission qui était sympathique, voilà, j'ai pas trop galéré je trouve, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous l'avez pas vu, bah je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite, voilà, vous aurez accès à la deuxième mission, à cette vidéo, voilà, où j'ai fait cette mission. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième mission et donc l'avant-dernière mission avant de terminer ce DLC et ce let's play également. Voilà, avant qu'on se retrouve pour un autre let's play qui devrait arriver, je pense, assez vite sur ma chaîne. Donc vous verrez sur quel jeu. Mais on n'y est pas encore. Et donc voilà, donc cette mission qui s'appelle Le Vecteur, qui va se passer, je pense, aux États-Unis, hein, dans le Colorado. Donc c'est un endroit qu'on connaît plutôt. Pas mal, voilà, je reconnais un petit peu la maison à gauche là où on avait un petit peu galéré dans cette maison, mais ouais, je pense que ça va être là. Bref, allez, on est parti pour cette troisième mission les amis, donc comme à chaque fois, installez-vous bien et on est parti. So, Colorado next. That's correct, 47. ICA Intel has just confirmed the exact coordinates of the US-bound signal from Nabazov's dead man's trigger. It's remote. Sounds perfect. Quite. We've borrowed an NSA satellite, and so I'm looking at the location now. It appears to be some kind of paramilitary compound, but Intel is limited. However, we do have a positive ID on another of Nabazov's disciples, a medical doctor, with a live sample of the Nabazov virus. Small place for a dispersal. Maybe just a test. Or an act of desperation. We cannot allow this to spread, 47. I'm uploading a full briefing to your laptop. Review as soon as you can. All right, 47. Your primary target is medical doctor and radical cultist Bradley Payne. Intel confirms that Payne has already infected a number of unsuspecting militia operatives with the Nabazov virus. Initial examination of the virus show it to be incredibly infectious and utterly lethal. Fortunately, there is no indication that the virus has spread beyond the compound. However, in order to prevent any contagion, Payne must be eliminated, along with any infected mercenaries. To remove the risk of exposure to the virus, we're recommending you go long range for this one. I will be providing intel upon touchdown, identifying targets for you once you've set up your sniper nest. Good luck, 47. Oh, intéressant comme mission, c'est là. On va devoir les éliminer à distance, donc avec un sniper, j'ai l'impression. Donc objectif, ok, donc on doit éliminer Bradley Payne. Et donc ça va être encore une histoire de virus, décidément, ça n'arrête pas entre la mission précédente où c'était encore un virus. Là, ça va être encore une histoire de virus, éliminer les patients infectés. Donc ouais, c'est ça, identifier, éliminer chaque membre de la milice infecté. Donc lui c'est un vrai connard, il a infecté des militaires et tout. Enfin ouais, je pense que ça va être intéressant comme mission, on va voir en tout cas. Donc objectif, bah ouais, on a rien pour se préparer, donc je pense qu'on aura juste un sniper. Il faudra se positionner sur la tourelle, la tour, et les éliminer un par un. Donc ça risque d'être intéressant. On va voir ça. Allez, on est parti. Welcome to Colorado, 47. Your primary target is Dr. Bradley Payne. From what I can determine, he's already infected a number of militia members with Nabazov's virus. To ensure containment, we must eliminate everyone who has been in contact with it. I'm pulling up details on whom that might be, and will pass it on to you as soon as possible. It will be piecemeal, however. I suggest you do not engage the primary target until we are certain that all the infected have been eliminated. Good hunting. Ok, donc capacité de tir stable, vous êtes équipé d'un sniper monté d'une mire. Utilisez RT afin d'améliorer votre capacité de tir et afin de ralentir le temps quand vous regardez à travers la lentille. Ok. Donc, on est bien positionné, là on est tranquille. Alors est-ce qu'on a... Ah, attendez. I'll have some intel for you shortly. Ok, donc elle va nous donner des informations petit à petit. Près de la maison principale. Ok. Alors attends, je vais juste fouiller un petit peu ce qu'il y a ici. Ici on a quoi? Ah, c'est des munitions au cas où. Donc mission principale. Maison principale, c'est celle-là.
Information indicates the target is a boxer, or fancies himself one. J'aimerais zoomer. Comment on fait pour zoomer? J'ai pas envie de faire une bêtise. Wait one second, 47. I have an update. Ah. You're looking for someone raking up leaves, 47. Thankless task. Qui ratisse des feuilles. Do you have eyes on? C'est toi, non? Je sais pas. Je sais pas. Ah bah c'est lui, non? J'ai l'impression que c'est lui. Alors attendez. Avant de faire une connerie, je vais... Ah, on peut pas sauvegarder. Super. Attendez. Si, on peut sauvegarder. De toute façon, ça sert à rien que je sauvegarde. On vient juste de commencer, non? Parce qu'en fait, j'aimerais voir comment on fait pour zoomer. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est les flèches directionnelles. Bah c'est toi qui ratissais, non? Je sais pas. Boxeur, jardine. Ouais, qui jardine? C'est toi? Donc il faut t'éliminer, toi. Wow. Qu'est-ce que t'as, toi? Bon, bah go. Ok. Ah! Merde! Wait, 47. One of the infected is trying to escape. Take him down now. We can't let any of them get away. One of the infected targets has already escaped, 47. Take the shot. Quoi? Non! Putain. Oh, c'est chaud, en fait. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, les amis, là. Oh, ça va être galère, cette mission. Welcome to Colorado, 47. Hop, on passe la cinématique. Oh, ça va être chaud, les amis, là. Look for the target in the overgrown junkyard toward the main gate by the water tower. Most likely one of the soldiers. En poste dans la cour abandonnée. La cour abandonnée. Je sais pas ce qu'ils appellent. I have something, 47. Oui, vas-y. Looking for a musician, 47. He plays acoustic guitar. Un musicien. Il joue de la guitare. Ok. Putain, ça va être chaud. Comment voulez-vous que... Here we go. This should help ID him. More doctor's notes. Subject presenting paranoid or psychotic behavior. Mid-stage delusion. Promising. I don't like this doctor, 47. Regardless, look for someone nervous. Quel anxieux ou inquiet. Ok. Wow. C'est quoi cette mission, les amis? Have you located him? Lui, il a l'air chelou, lui. Quoique... Non, pas trop. That is your primary target, CDC Dr. Bradley Payne. D'accord, ok. Dommage qu'on peut pas mettre des marqueurs. Donc je pense pas qu'on a un timer. Donc on va prendre un petit peu plus de temps, vous voyez. Il y a un mec qui dort ici. Ok. Bon, il est où celui qui joue de la guitare, là? Il est là. C'est lui? Non? Attendez. Je crois que j'avais l'impression qu'il jouait de la guitare. Enfin, une guitare invisible, du coup, mais... Oh, je sais pas trop. Il m'avait l'air chelou, lui. Regardez, on dirait qu'il fait quoi. T'es chelou, mec, toi. T'es chelou. There's no more information, 47. Review the intel I found for you so far. Ouais, ben... You should have enough to ID him. Ouais, mais écoute, c'est un petit peu compliqué là, surtout que c'est en plein jour. Et qu'il y a plein de couleurs et que c'est compliqué de localiser tes cibles.
Non, lui il jardine, on s'en fout. Toi là, tu fais quoi? Ah merde, c'était lui le boxeur. Mais du coup, on a plus. C'est plus notre cible, lui. Fais chier, c'était lui le boxeur. Il y en a un autre ici encore. Alors, en poste dans la cour abandonnée, comportement paranoïaque. Oh, mais comment vous voulez que... Déjà, qu'est-ce qu'ils appellent par cour abandonnée? C'est ça que je comprends pas, en fait. Lui, jardine. Toi, tu cuisines. Là-bas, c'est notre cible principale, donc ils nous ont dit de pas l'éliminer tout de suite, c'est dommage. Parce qu'en fait, il n'y a que lui que j'ai localisé, en fait. Et celui qui joue de la guitare, je vois pas où est-ce qu'il est. Alors, attendez, je vais devoir au niveau de la carte. Si on... Est-ce qu'on a une carte, déjà? On n'a même pas de carte. On n'a même pas de carte. Oh, ça va être chaud, les amis, là. Oh là là, ça va être chaud, ça va être chaud. Déjà, celui qui joue de la guitare, je sais même pas où est-ce qu'il est. Je sais même pas où est-ce qu'il est, votre mec qui joue de la guitare, là. Parce que, est-ce que c'est... Est-ce que c'est vers la maison principale qui sont ces mecs-là? Parce qu'au moins, si j'avais une indication précise... Lui... Il fait je sais pas quoi... J'essaie de voir autour de la maison principale, mais... Toi, tu fais quoi, toi? Oh, toi, t'es chelou, toi. Elle a dit comportement paranoïaque, c'est quelqu'un qui a l'air angoissé, stressé. Toi, t'es vraiment chelou, j'ai envie de tenter ce mec-là. Attendez, on va le suivre. Voir ce qu'il fait. Parce que toi, t'es vraiment chelou, toi. Il fait ses lacets. Il a l'air un petit peu stressé, ouais, lui. Il court. Pas trop. Hein, je sais pas, ça me saoule. Ça me gonfle. Il y a lui aussi qui est un petit peu chelou. Bon, il est en train de boiter, je pense qu'il a eu un accident. Il me manque toujours celui qui joue de la guitare. Il est où ce mec? Sans déconner, quoi. Le mec qui joue de la guitare. C'est bon, j'ai trouvé celui qui a la guitare. Ok. Bon, toi, adios, mec. Voilà. That's the first infected target eliminated. Yes. 47. I'll get to work on the next one. Ok. The target is training for some sort of high intensity operation. Look for assault weapons and body armor. Des armes et des armures. Ok. Recruté en tant qu'agent spécial. Donc, lui, champ de tir, c'est là-bas le champ de tir, hein, je crois. C'est ici. Je crois que c'est là. Hein. Il a eu un accident. Boîte, c'est bon. Je sais lequel. Alors attendez. Je pense que c'est un des deux. Je pense que c'est un des deux, les amis. Ouais, j'ai compris. Ouais, bah c'est un des deux. J'attends qu'il marche, en fait. Pour l'identifier. C'est obligé, c'est un des deux. Allez, marchez, s'il vous plaît. Allez, grouillez-vous. Allez, vous pouvez... Ah. C'est pas lui, donc c'est lui. Attendez, j'attends la confirmation avant de tirer. Ou bien c'est peut-être lui aussi. Hein. Il en reste encore un ici.
Là, on a notre cible. On va attendre. Il a bougé, lui. Ah, c'est lui. C'est bon, là. On l'a. Alors, attendez. J'attends qu'il soit découvert. Mais par contre, là, on va se faire repérer, non? Si on le bute. En plus, il y a du monde à côté, je sais pas. Est-ce qu'on le bute maintenant? Oh, il est en train de discuter en plus avec lui. On va attendre. Oui, oui, mais je sais c'est qui, t'inquiète. Il fait ses lacets, oui, je sais. C'est bon, je sais c'est qui, t'inquiète. Non, mais c'est bon, je l'ai identifié, madame. C'est bon, tu te calmes, hein, je sais c'est qui. J'attends juste qu'il soit un petit peu tout seul. Je sais pas s'il va être tout seul. Il va où, là? Oh oui, c'est peut-être le moment. Vas-y. On va prendre le risque. Par contre, il est en mouvement, donc ça va pas être évident. Merde. C'est bon, il a rien capté. Ok. Yes. Alors, attends. On va faire une petite sauvegarde avant. Quand même. Voilà. Vas-y, dis-moi tout. La zone du garage. Ok, donc c'est là-bas. Ah. Narcolepsie symptomatique. Quelqu'un qui a l'air d'être épuisé. Wait one second, 47. I have an update. Ouais, vas-y, you're looking for a mechanic working on one of the malicious vehicles. Ben, lui, peut-être lui. De toute façon, il n'y a que lui qui répare un véhicule, donc je dirais que c'est lui. Alors, attends, on va peut-être avoir d'autres informations. Est-ce qu'il a... Il a pas l'air d'être épuisé, lui? Enfin, je sais pas. Parce que là, c'est le premier qui vient en tête, c'est lui. Hein. Ah, lui! Regardez-lui, il dort. Peut-être c'est lui, du coup. Non? Je sais pas. C'est un des deux, je pense. Hein. Tu peux pas me donner d'autres informations, madame? Parce que là, j'ai besoin de toi, en fait. Je pense que c'est lui. Hein. Attendez, on va voir. Si, c'est lui. Parce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui est épuisé. Il fait ses lacets. Dis-moi qui... Oui, c'est donc c'est lui. C'est lui. Attendez. On sait c'est qui. On va attendre. On va peut-être attendre un petit peu. Oh, attendez. Là, j'ai pas un... Ah, putain, il se met juste devant, l'enfoiré. L'enfoiré. Ok, c'est bon. On le tente ou pas? On va re-sauvegarder, désolé. Attends, c'est pas là. Hop. Non, c'est pas là toujours. C'est ici. Voilà, merci. Hop, voilà. Donc. Adieu. Ok, c'est bon, ça passe. Ok, il nous en reste un seul et ensuite on éliminera la cible principale dans la serre. La serre, c'est là, je dirais. Je pense que c'est là la serre. Extrêmement froid. Look for someone trying to stay warm. Right. This should be helpful. The target is near the field kitchen. C'est lui. Il se réchauffe les mains. Il fait la cuisine. Il fait pas la cuisine. Hein. Encore trouvé. S'en fout. Have you located the target? Ben, je pense que c'est lui. Il a froid, lui. On le tente direct ou pas? J'ai bien envie de le tenter direct, mais on va sauvegarder. Hein. Je pense que c'est lui, les amis. On va la tenter direct. Putain, fais chier. C'était pas lui. Ah, fais chier. J'aurais tenté.
J'aurais tenté, bon, c'était pas lui parce qu'il avait froid, le mec, donc je sais pas. Allez, on va le trouver. Donc près de la cuisine, il est. Alors, il fait la cuisine. Du coup, c'est peut-être par là, je dirais. Donc peut-être lui. On va voir. Fait la cuisine dans la serre frigorifiée. Est-ce que c'est toi? Ou toi aussi? On va voir. Oh putain, il y a la cible juste à côté en plus. Qui sont en train de parler eux. Parce que ceux qui font la cuisine, il n'y a que vous, on est d'accord. Here we go. This should help ID. Ah vas-y, dis-moi. He's making a phone call right now. Fasse un coup de fil. What the fuck? Non, là, lui, il est sur l'ordi. There's no more information, 47. Oh, il est là. Review the intel I found. C'est toi. So far. You should have enough to Adieu. Identify. Voilà. And that's the last of them. Encore retrouvé. Donc il ne nous reste plus qu'à... Alors attendez, comment on fait pour recharger déjà? Comment on fait pour recharger? J'ai oublié. Ah c'est là, ok. Victime sans se faire repérer. Donc l'autre il est... pas très loin. Il est pas... il est là. Allez mec, il est temps de crever. Attendez. Comme j'ai peur de louper mon coup, on va se regarder les amis. Juste comme ça, voilà une petite dernière sauvegarde histoire d'être tranquille. Et toi du coup tu vas crever mon ami. C'était derrière un poteau cette pète. Oh putain il avance. Fais chier. On va attendre qu'il soit stable, qu'il soit immobile. Il va où? Arrête-toi. Non, pas ici. Pas derrière les feuillages. Dis-moi pas qu'il va monter dans la voiture. Non, c'est bon. On le tente ou pas? J'ai peur qu'il rentre dans la maison. Vas-y, c'est bon. On le tente, tant pis. Il y a des gens devant, mais on s'en bat les couilles. Voilà. Localiser la sortie. Allez, on se casse. On se casse. Bon, en fait, c'était pas vraiment compliqué. Enfin, fallait les chercher, les mecs. C'était ça le plus compliqué. Parce que voilà, avec les couleurs, les machins, et puis les informations, c'était pas vraiment... Enfin, voilà, il fallait localiser les endroits. C'était ça le plus compliqué. Mais la mission globale, non, elle était pas compliquée. C'était vraiment assez simple. Et donc, les amis... Eh ben écoutez, on a terminé cette avant-dernière mission. Ça a été plutôt rapide, je trouve. Même si à un moment j'aurais galéré, donc je pense que peut-être je vous aurais fait une coupure ou peut-être que je laisserai la vidéo comme ça, je verrai. En tout cas, voilà. Et puis du coup, ben voilà, on a terminé l'avant-dernière mission, les amis. Il ne nous reste plus qu'une dernière mission avant de terminer ce let's play. Ça fait bizarre de me dire ça, que voilà, ça y est, on arrive à la fin de ce let's play, et puis qu'après j'aurai plus de jeu d'infiltration. Enfin si, il y a Hitman 2 qui va bientôt sortir dans les mois à venir, donc ça devrait arriver assez vite. Mais d'ici là, ben voilà, ça va un petit peu me manquer les jeux d'infiltration. Donc la dernière mission qui s'appelle Patient Zero, donc tout simplement, voilà, c'est le titre du DLC, donc Patient Zero, on verra ça ben demain, voilà, pas dans 2 jours, demain les amis, parce que voilà, cette vidéo normalement devrait sortir samedi, donc la prochaine, ouais, c'est demain, dimanche, pour la dernière vidéo du Let's Play. Et puis, bah écoutez, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne également, ça me ferait plaisir tout ça, donc voilà. Et je vous dis donc à demain les amis pour la fin de Hitman, ce let's play. Allez, portez-vous bien tout le monde. Ciao.